na ye ko yemela na ye ko kumisa ya we na ye ko sanzela Musa ko lola na ye ko tatola bikamo ya we ya salima déjà ça sera une rencontre
Et puis après ça, bon, je pense qu'il y a toujours possibilité de peut-être, bon, pas avant, je ne suis pas sûr parce que moi-même, chaque avant-concert, je stresse un peu parce que je dois donner mon meilleur, donc ça me rend un peu nerveux, même si je suis déjà habitué, mais il y a toujours ce petit côté-là qui ne manque pas. Mais après le concert, effectivement, pourquoi pas, je ne vais pas promettre à tout le monde qu'on va directement faire une réunion autour d'une table parce que c'est déjà un espace de plus de 1500 personnes, mais au moins, je suis sûr qu'après chaque concert, j'ai toujours l'habitude d'interagir avec quelques personnes. Donc voilà, il y a cette possibilité-là aussi. La question à Soukarana, la Ligana, la préférée de la spécifique, pour ma campagne, c'est qu'elle est belle la continuité. Bon, merci pour les questions. La première question par rapport à ce que je prévois cette fin d'année ou l'année prochaine par rapport à des productions en Europe. Déjà, je vais profiter d'abord de remercier tous les fans qui sont aussi en Europe parce que dernièrement nous avons joué en Belgique. C'était l'année passée en décembre à la Madeleine et ce qui était aussi une réussite. Et moi j'ai toujours l'habitude de parler de choses quand nous vous avons déjà donné une certaine précision, une date. Je suis en train de prévoir des prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas, pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre. Mais en tout cas, l'année prochaine, nous avons beaucoup de prestations en vue. Et moi, je parle souvent de ceux qui sont déjà affichés. Par exemple, vous avez vu que nous serons à Afro-Nation et il y aura plein d'autres dates qui vont s'afficher, que ce soit dans des salles, que ce soit dans des grands festivals. Et ça, c'est une chose. La deuxième question, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas le monopole de faire des classements, de qui a fait le meilleur concert. Déjà, comme ce n'est pas mes concerts, je ne vois pas l'importance pour moi de faire des classements, mais j'envoie toutes mes fleurs et mes bonnes énergies à tous les artistes qui continuent à se battre pour continuer à monter et faire la fierté de notre pays. Et pour la troisième question, que les artistes n'arrêtent pas de chercher à collaborer avec les artistes du monde parce que ça amplifie notre exposition. Les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, Bakomarape Bola Mamoutouna, Nambunzouté, et puis Didi Zoka, rien. Toyemilien musicien. C'est la même chose, il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que c'est quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leur bon côté. C'est les côtés sombres, on leur laisse ça, mais les côtés positifs, c'est ce qui nous a donné peut-être aussi envie d'entrer dans ce métier. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que je dois décourager les artistes à chercher des featuring parce que c'est important. Et était innocent. Merci pour la question. Et je pense que j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, on s'est confirmé les choses, même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que j'ai vu tous les jours, un peu partout dans le monde, mais cette idée-là de jouer au stade des martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative-là. Au bon endroit, à niveau d'endroit, en tout cas, je me dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens
mais j'ai et les répertoires et les publics pour affronter ces stades. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux, et je pense bientôt vous aurez des nouvelles. Merci. Voilà, merci. 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 Comment je fais pour marier les deux mondes artistiquement? Et vous dites, la pose à la base, je l'ai fait déjà. Maintenant, ta question est en même temps difficile, mais en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, je marie toujours la musique urbaine du monde avec notre musique congolaise qui est très large aussi. Et je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Je suis un enfant qui a grandi en écoutant la musique congolaise, mais aussi en consommant, en tout cas tous les jours, la musique qui vient de l'extérieur, la musique américaine, française, de l'Afrique de l'Est aussi. Voilà, de l'Afrique de l'Est. Comme je le dis souvent, quand on est né à l'Est, on a aussi cette musique de Swahili folk, Kenya, Tanzanie qui est à côté de nous, qui nous influence beaucoup. Nous avons aussi un peu cette tendance d'écouter beaucoup de la musique anglophone parce que la plupart de ces pays qui sont à côté de nous, en dehors d'être Swahili folk, c'est aussi des pays anglophones. Et puis venant à Kim, les allers-retours depuis 2010 par rapport au concours des superstars, j'ai eu aussi à découvrir que voilà, il fallait aussi beaucoup écouter tous les jours la musique plus francophone. C'est au fait à Kim où j'ai vraiment commencé à beaucoup écouter la musique francophone. Et bon, la musique maintenant en Lingala, même si à Goma de base on ne parle pas Lingala, mais depuis que j'ai commencé à consommer plus des génériques, il y a Wenge, Maison Mère, il y a Quartier Latin. Et c'est après avec l'âge maintenant, quand j'ai grandi un peu, que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la rumba. Donc je suis vraiment tous ces cocktails-là, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis, et en même temps ma façon aussi de transmettre ma musique. J'ai fait tout ce mélange là, j'essaie de mettre ça ensemble, et c'est ça l'Afro-Congo. C'est pour ça que j'insiste toujours par rapport à l'Afro-Congo. Et donc, merci d'avoir reconnu ce côté-là. Et la deuxième question, c'était... C'est que le public, c'est que vous allez transmettre au public. En tout cas, ça sera un concert avec plein d'émotions, parce que déjà, l'espace est bien paramétré pour un concert qui est, je pense, c'est pas en même temps un concert VIP, mais c'est pas aussi un concert comme quand on joue vraiment dans la cité. C'est un concert qui est médium, donc c'est un concert qui me permet de mélanger toutes les émotions. La chaleur, la douceur. Et donc c'est un concert, je pense, qui sera très riche en couleurs. Donc nous allons exploiter tous nos côtés. Nous allons vous jouer de la rumba congolaise, nous allons vous jouer de l'afro-congo comme il faut. Donc nous allons danser, nous allons chanter, transmettre des émotions. Peut-être même nous allons prier, qui sait, soyez là. Et donc voilà. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question. Oui. C'est une rumeur peut-être. Mais tout est question de temps, parce que, à ce que je sache, j'ai coopéré bien avec beaucoup d'artistes qui évoluent en France. C'est des amis, on parle de temps en temps, Franglish, Dadju, il y a même les plus jeunes, les Jingling, qui se croisaient dernièrement aux Zénith de Paris. Merveille aussi, j'espère que vous connaissez, ils chantent trop bien. Donc je coopère pas mal avec pas mal d'artistes
d'origine congolaise mais qui évolue en France. Et c'est vrai que c'est juste tombé que voilà, j'ai déjà plus collaboré avec... pour moi, en tout cas, tous, c'est un corps, que les artistes soient de Belgique ou de France, pour moi, en tout cas, parce que c'est le même public qu'on veut atteindre. Damso, il est toujours dans les classements en France. Et Fresh, Caris aussi. Yesko, là, côté de l'Ivoirien, mais c'est d'origine ivoirienne, mais qui évolue en France. Donc, c'est question de temps. Au contraire, je pense que ce n'est que nous avons travaillé dans le travail de Baptiste, nous avons besoin de costaud. Comme nous avons besoin de parce que quand moi-même je regarde, je vois Damso, Caris, je vois Fresh, c'est vraiment. Il faut vraiment batailler dans le gap et tout travail. Mais en tout cas, ça doit rester peut-être une rumeur, mais moi je ne suis pas vraiment au courant. Et moi, je demande toujours à mon public d'être patient et vivre avec moi les étapes. Je ne suis pas un artiste de 40 ans ou 50 ans pour qu'on commence déjà à mettre des points sur ma carrière. Je suis quelqu'un qui est jeune. J'ai fait des choses selon... depuis un artiste indépendant, donc j'ai fait des choses selon mon timing. Je ne veux pas faire des choses sous pression ou parce que tel a fait ça, je dois suivre. Moi, j'aime faire les choses quand je me sens confortable, quand il y a surtout ce respect-là de partager la culture, d'échanger. Et donc, voilà. Merci. Bon, pour la première question, honnêtement, on a compris d'un côté, parce que déjà, Calcul, c'est un EP, c'est pas un album. C'est un projet de 5 titres que nous avons fait dernièrement, qui a aussi connu son succès. Et en termes de succès, moi je dis toujours une carrière, c'est pas un jour ou deux, ou une semaine, ou un mois, ou même une année. Une carrière, c'est toute une vie. Et je ne calcule pas les succès comme ça. Ouais, tu as sorti des singles, ça a eu plus de succès que tel projet. Déjà, c'est faux parce que je suppose qu'en termes de visibilité, il y a par exemple une chanson qui est sur Calcul, une chanson CT qui, pour moi, jusque-là, c'est un de mes records sur la nouvelle plateforme qui fait vraiment la promotion des chansons TikTok. Moi, personnellement, à ce que j'ai. À ce que je sache, je n'ai jamais vu une chanson de moi qui a plus d'un demi-million de publications, donc des gens de partout, un peu partout, de tous les continents qui font des vidéos. Et c'est toujours sur ce projet Calcul. Pierre qui a été sorti avant Calcul, à ce que je sache. Et... Pierre a été sorti avant. Calcul est venu après. Mais pour la ligne aux autres bagages, Calcul, single à l'époque, Calcul, c'était CD. Tu vas voir les résultats, Calcul en termes même des temps de sortie. Tu vas voir si ton raisonnement est stable. La limite est dans le bagage aux si le raisonnement est stable. Mais. Je pense que c'est même pas ça au fait le but. Le but, c'est que moi, je continue à donner à mes fans tout ce que j'ai à proposer. Donc, tout ce que j'ai à proposer, je vous donne. Et puis, toutes les chansons ne vont jamais avoir la même réception. Banzembo Moussousou, il faut être à la réception. Banzembo Moussousou, il faut être l'examaïle. Banzembo Moussousou, il faut être Banzembo Moussousou. Et ça, il faut être à l'examaïle. Il faut Et comme elle est Tinko, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Oui, c'est le record par exemple de la musique congolaise en termes de vues. Mais quand on a un peu de temps, par exemple, pour la épique,
ce que Dieu a mort et comme il a été, ah, il dit sous-sous, mais déjà, il fait pour les filmer il y a peut-être 4 ans, 5 ans, Léo Kobis à 5. Donc, tout ça, c'est mon catalogue. Et moi, je ne vois pas, par exemple, commencer à comparer, ouais, tu vois, projet Oyo, Ponanini, surtout Ponanini, on a un gars, un peu ça, à côté, parce que. Au disco, on a ça, on a dit, aussi, mais là-bas, projet Suki, hein, ok. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je continue à proposer des projets parce que je crois en la musique, je crois à l'Afro-Congo. Et c'est ça que nous allons vivre ce 18 octobre. Donc, bienvenue. Nous allons prendre les deux dernières questions. La deuxième question. Ah, par rapport à l'accompagnement des rêves dans toutes mes prestations, je pense que c'est aussi faux parce que j'ai fait beaucoup de prestations en solo. Rêve, c'est une artiste qui évolue aussi en solo. Donc il y a des prestations où on se retrouve ensemble, il y a des prestations où on n'est pas ensemble et c'est tout à fait normal. Donc, toutes les dernières productions, déjà, je ne sais pas si vous le savez, où tu n'as pas pour trouver toutes les questions. Hein, normalement, vous avez vu que ma tournée a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de prestations que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu un problème pour m'amener de toucher dans ma case. Et ma prestation, alors, ma prestation, même avant, c'était en Europe, elle n'était pas là. Ce qu'on a joué, par rapport à quoi? C'est une artiste qui évolue en solo, donc vous pouvez la voir à mes côtés ou pas. Et tout dépend des programmes que nous avons et tout. Merci. Merci. Jésus. Merci pour les questions. La première, c'est par rapport à la rareté dans nos médias. J'avoue, c'est vrai, comme vous savez, je pense que, comme vous tous, nous sommes tous et je ne vais pas dire que ce n'est pas une idée, il faut que ça, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. C'est vrai, quand je parle, j'aime jamais faire les choses à moitié. J'aime dire tout ce que je pense parce que je crois en mes idées, je crois en ce que je peux proposer en termes d'humain. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessairement ne me plaisent pas en termes de médias, en termes de communication, par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Et donc moi, je me suis dit, à un moment donné, que voilà, il faut que je choisisse. C'est quand j'ai des choses vraiment importantes à communiquer que je me présente, comme aujourd'hui nous sommes en conférence de presse par rapport à un événement très important. Et là, je me sens dans l'obligation de communiquer avec vous. Mais malheureusement, comme vous le savez, cause de l'actualité, dans le cannabis, comme on doit être plus disponible à faire des émissions. Et moi, je ne me vois pas faire cette carrière. Donc, pour la vie, que chaque jour, il faut gagner la vie, ça va tout gagner par Koloba. Mais je suis artiste musicien. On attend que je sorte des chansons, on attend que je fasse des spectacles. Et c'est par rapport à ça que les médias vont m'aider à transmettre mon package à mon public. Mais dans le monde, on a changé la façon de faire. Au fait, on a l'impression que le public est dans la famille, on voit un dessin animé. Donc, on a un dessin animé. Pour la vie, on a dit, on a un dessin animé. Et après, vous passez à autre chose. Mais moi, je pense que je suis dans une position où je n'ai pas en même temps envie de donner. Dans quelque chose qui me renvoie des énergies négatives. Donc, quand il y aura des choses importantes à communiquer, comme autour d'un événement aussi important, je vais toujours me présenter devant les médias sans crainte. C'est pas aussi parce que je pense qu'il y aura encore le bel homme qui va choquer, mais c'est parce que je ne vais juste pas être dans les mix de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut chaque jour choquer. Il faut que le papa, le monde, la folie, les médias,
bien expressément dans le sous-soir et former français. Pour pas tout c'est qu'à base la vidéo la TikTok, on n'est pas tous obligés de faire la même chose. Et donc, bah fan nanga, il faut base à la patience. Bah il faut base à l'artiste à raisonner. Et puis où est la musique surtout, parce que vous allez être trop mis dans les médias sans rien communiquer, on va demander pas mal. Par rapport à la deuxième question, oui, la bêta qui tourne à Wenze, ce n'était pas pour tester ma popularité en tout cas, parce que je sais que l'étude est assez populaire dans mon corps. Ce n'est pas à Wenze de la route de tester la popularité, mais c'était à l'occasion de ce mois d'octobre que nous appelons Octobre Rose, que je me suis dit qu'il fallait que j'aille soutenir normalement avec juste un peu des petits moyens. Et en même temps aussi, ça m'a fait plaisir parce que depuis la Yaka, na mon athée, que j'ai en acquise la pour soi, na yoga qui a Mikolo na osé pela tout la matimate, ou bien na osé pela na mangolo. Mais je ne sais pas au fait, quand on a soumis poisson, moi dans ma tête, depuis toujours, je sais que les poissons, c'est toujours mort. Donc, quand on va te carreau pour garder fraîcheur dans l'eau, c'est toujours dans l'eau, c'est vivant. Et on va mettre ça dans les sacs, et ils ont mis la mine à la vue. Mon amour, on a été à côté. Et donc, c'était une expérience que j'ai vécue pour ma toute première fois, sincèrement. Parce que même quand j'étais à Goma, quand j'étais tout petit, je n'avais pas encore fait des courses parce que je n'avais pas l'âge, je n'étais pas intelligent. Et c'était ma première fois de vivre ça. Donc, il y a un moment, je tenais à partager ces moments-là avec mes fans parce que je suis actif sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était une bonne ambiance en tout cas. Merci encore à mon maman Vandelle et que Dieu vous bénisse pour tout l'amour en tout cas que vous partagez. Donc, prochainement encore, je pense. Tant que je vais vous inviter, Isaac, il y a plutôt que ça, papa Milo, pour les appeler ma bête. Merci beaucoup. La dernière question. Pour les concerts, oui. Parce que par rapport à juste aller à Goma, là-bas, c'est chez moi, c'est là où je pose mon esprit, mon cœur. Mon cœur bat à Goma parce que ma maman est là-bas, ma grande soeur est là-bas, mon papa est là-bas. Il y a aussi mon frère qui est là-bas, toute la famille est à Goma. Donc, Nakina, normalement, il y a que juste une petite portion de la famille. Moi, avec mes grands frères, mes trois grands frères, Nanegafoulo, c'est dans la capitale où tout se passe. Mais en tout cas, tout mon esprit dort à Goma. C'est pour ça, à travers même cette question, je profite encore de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées avec les naufrages que vous avez vus sur les réseaux sociaux, ces bateaux qui a vraiment touché. Vous allez voir dans une seule famille, on a perdu et papa, et maman, et les enfants, parce que par exemple, ils venaient d'un deuil, ou bien ils venaient d'une activité quelque part, mais ils étaient sur ce même bateau-là. Donc c'était vraiment catastrophe, mon boyo, et touché. En tout cas, je ne peux pas compter le nombre de familles. Et jusque maintenant, je suis sûr qu'il y a encore des familles qui ne sont pas encore au courant de qui ils ont perdu ou bien de quel ami ils ont perdu. Donc, je profite vraiment, avec tout le respect, de présenter mes sincères condoléances à toute la population et de Goma et de Bukavu, parce que nous partageons toujours la même famille. C'est cela qui nous unit. Et malgré qu'il est des fois méchant avec nous, mais c'est le lac là qui est au centre, entre les Nord Kivu et les Sud Kivu. Donc, comment je vais toujours passer là-bas, et voilà. D'accord, merci. C'est la fin de cette conférence. Donc, nous disons un grand merci à la presse qui a répondu présent. Donc, on dit merci à l'institution française par l'idée de Mme Françoise Vallée. Voilà. Si tu as une question, parce que. Non, je suis d'accord. Il y a une question. Il y a une question.
Merci beaucoup.